Amis miens d'ici et d'ailleurs, chers frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez est un espace que nous avons créé sur Facebook pour parler des mystères de cette vie. Voilà. Je vous fais grâce. Je voudrais, avant tout propos, vous présenter toutes mes excuses pour le retard accusé. C'est pour des raisons indépendantes de ma volonté à vous servir à l'heure. Voilà. L'homme propose, le Camerounais propose, et Néo dispose. Ah, mon beau pays. Voilà, je devrais être là. Depuis quelques jours, je n'ai pas de jus. Je n'ai pas d'électricité. Mais, par la grâce de Dieu, nous avons le jus. Partagez le direct, pardon. Je vous demande pardon. Partageons le direct. Tellement que mes portables sont à plat. Mon deuxième téléphone qui me permet, voilà, il faut que je le couvre, hein. Oh là là. Parce que dedans, il y a des très grands témoignages. Oh là là. Il est à plat. Je ne voudrais pas vraiment abuser de votre précieux temps. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour nous. Parce que nous allons commencer le processus de magnétisation de l'eau lunaire. Ouais. Il faut le rappeler. C'est sur ça que nous comptons désormais. Amis bien d'ici d'ailleurs. C'est important. Donc, aujourd'hui, vous devrez avoir votre bol en verre. Voilà. Déjà chez nous, voilà, vous mettez tout simplement de l'eau dans votre bol. Vous mettez l'eau et vous l'exposez en plein air, soit sur votre balcon, soit sur le rebord de votre fenêtre qui donne en plein air, soit dans votre jardin, soit au garage, bref, partout. Hein, dans votre cour, dans votre concession, dans votre maison, voilà, vous déposez. Après 3h15 de temps, on dit, hein, voilà, vous enlevez, vous le fermez, vous allez déposer cela dans un coin de votre chambre, hein, à l'abri, n'est-ce pas, des rayons de la lumière solaire. C'est-à-dire qu'en journée, là où vous allez déposer le bocal, il ne faut pas que les rayons soleil, hein, frappent sur ça. Ce n'est pas bon. Parce que si le soleil frappe sur ça, ça va plutôt anéantir, ça va plutôt, je peux dire, enlever la force, l'énergie, hein, le pouvoir de la lune. Donc, vous devez donc mettre ça en lieu sûr. Maintenant, le lendemain, vous conduisez ainsi de suite jusqu'à la prochaine pleine lune.
Voilà. Et à la veille de la pleine lune, je ferai des dates pour vous rappeler que le lendemain, c'est la pleine lune. Je crois que c'est le 5. Nous sommes quand? Nous sommes le 20 juin. Je crois que ça doit être le 5 août. Donc à la veille, je ferai un direct comme d'habitude pour vous rappeler cela. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous n'avez pas besoin de vous faire scanner. Mais seulement, il y a un code de consécration. Voilà, comment consécrer, consacrer autant pour moi. C'est grave aujourd'hui, hein, vraiment la lumière. Hein. Voilà, donc, et ça, le dernier jour, c'est-à-dire le jour où la pleine lune commence, c'est ce jour qu'il faut donc consacrer l'eau. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère. Voilà. Un très grand mystère, parce que c'est important de le dire. Partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct. Voilà. Je veux dire, ce fond musical, instrumental, Sophie de Dinabel. Voilà. Ceux qui ont ici la musique camerounaise et sur le plafond, voilà, sur le plafond africain. Quand on parle de Maroussa, c'est cela. Voilà. Vous savez, ça c'est une pensée positive. Hein? Ne laissez jamais une mauvaise période vous faire croire que vous avez une mauvaise vie. Ne laissez jamais une mauvaise vague qui agite le navire de l'existence, voilà, et qui va vous faire croire que vous n'êtes pas en train de prier, que vous n'êtes pas en connexion directe avec votre Dieu intime. Non. Je voudrais parler de l'histoire d'une sœur. Quand je lisais son témoignage, je coulais les larmes. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 40 jours. Jour et pour jour, il a commencé sa prière personnalisée. Le dernier à la veille, il a dit, Dieu, voilà, je vais faire les 40 jours. Je ne sais pas ce qui est dedans. Le chiffre 40 nous renvoie à l'épreuve. Tu m'as dit de te mettre en épreuve. Je t'ai mis en épreuve, papa. Voilà 40 jours, 40 nuits que je ne dors pas parce que je cherche ta face. Je veux que cette nuit, Père, que tu me montres le visage de la personne qui est à l'origine de mes souffrances. Ah! Non, ma soeur, tu as fait fort. Tu as appuyé sur le dérangement. Tu as lu l'heure. Wallahi billahi. Mais Dieu, là, est-ce que Dieu n'est pas dans les petites choses? Elle dit, voilà 40 jours, je m'en vais comme ça dormir, ça fait 40 nuits. Que chaque nuit, minuit, 3 heures, je suis là, je cherche ta face. Je prie seulement. Je prie minuit, 3 heures, je prie, je prie, je prie. Papa, voici 40, voici la dernière nuit. Je ne sais pas vraiment pourquoi ma vie est comme ça. Père, je veux que tu me parles. Montre-moi le visage de celui qui est à l'origine de mes souffrances. Voilà ce qu'elle a demandé à Dieu. Dieu la reste vraiment. Elle fait donc un songe. Dans ce songe, Dieu, j'ai eu la chair de poule. Oh, parce que tu as aimé un homme. Dans ce songe, ami mien d'ailleurs, Dieu lui révèle qui vient dans le rêve, dans le songe. C'est le père de son enfant, son ex-ami. On peut appeler ex-mari pour lui avoir donné un jeune garçon. Voilà. Après la séparation, le gars dit, je ne veux rien entendre. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Aïe. Si la femme est partie, elle a des raisons très profondes de partir. Ça veut dire quelque part, tu n'assumes plus. Tu n'es plus le meilleur, tu n'es plus le compagnon le compagnon sur le chemin de sa vie. Tu ne dois plus être avec elle. Elle dit, malgré ça, je prends ton enfant, je vais m'occuper de lui. Comme une bonne mère. Dans le rêve. Et Dieu, tu crois, le gars, il dit, qui es-tu? Il dit, c'est moi.
Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu perces? Dans le fond. Et le gars lui a tendu quelque chose qu'elle a refait de prendre. Elle dit au nom puissant du Dieu, de ce Dieu que je sais, dans le songe, tombe et l'air libère ma vie. Le gars est tombé. Bah! Donc ça veut dire que tout est accompli. Tout est accompli. Elle a eu sa délivrance. Je reste, il n'y a pas de lumière. Je suis à 14%. Papa, je vais te parler. J'ai dit, il y a quoi, ma fille? Je ne peux pas causer. Je suis à 14%. Écrivons. C'est là, envoie un message. J'ai dit, continue. Tu as fait 40. Ajoute encore 40 minutes. Donc, pour vous dire, elle dit, demain, elle a un entretien le mercredi, quelques jours de ça, dans la semaine. Un entretien pour le travail. J'ai dit, ma fille, c'est écrit que c'est déjà fait. Ta délivrance est accomplie. Que dit de ma soeur? Quand elle m'a connu, je fais moi mes directs. Je suis un safarien. Je suis rien. Hein? Pardon. Quand je dis, j'ai la venue au moins écouter. Je peux pas bien, je parle pas bien français. Mais ne regardez pas ça. Je vous en prie. Ne regardez pas le français. Le français n'est pas bon. Je n'ai pas fait longues études. Je ne connais pas crayon. Mais écoutez-moi jusqu'à la fin. C'était souvent à la fin. C'est le message que tu attends là que je donne ça à la fin. Voilà donc. Quand elle m'a connu, je n'étais rien. Elle avait des problèmes. Ses enfants dans les problèmes. Nationalité qu'elle demande depuis des années là. On ne lui répond pas. Elle a fait son scanner. Elle dit, comme chaque fois je dis toujours, le meilleur héritage, le plus grand bien que Dieu vous a donné, c'est votre enfant. Hein. Ce n'est pas l'argent, c'est votre enfant. Le plus grand bien. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas accouché se plaignent. Je dis, ouais, pourquoi je n'ai pas accouché? Pourquoi, pourquoi? Parce que c'est le plus grand héritage. Même ceux-là qui n'ont pas accouché, là, cherchez Dieu. Rien n'est impossible à lui si tu fais le possible. Fais le possible, Dieu te donnera un enfant. Même si tu as eu à avorter, demande pardon. Dis, papa, je veux un. Parmi les avortons, là, donne-moi un. Tu fais ce qui est possible. Dieu te donnera. Il est de miséricordieux, il pardonne tout. Mais pourvu que vos repentances soient sincères, il y en a qui croient qu'ils comprennent. Ils connaissent le son de nos cœurs. Quelqu'un qui t'a créé, tu veux blaguer, tu ne peux pas. Donc elle fait le scanner, elle dit, ah, le gars me dit tout de penser aux enfants. Qui est? Et le jour elle m'envoie la carte. Le jour elle m'envoie nom, prénom des enfants, tout et tout. Je dis un parmi, je commande d'abord par lui. Il dit pourquoi? Je dis celui-là. C'est une étoile parmi. C'est ton José qui est là. Elle dit, Manu de la vie, une fois Mohamed dit ça. J'ai dit, mais celui qui t'avait dit, est-ce que t'es avec lui? C'est par lui que je dois commencer. Veille sur lui comme la prunelle de tes yeux. Parce que voilà ton Joseph, celui qui va te faire sortir de Canaan, de l'Égypte. Le voilà. J'ai fait le scanner, je lui ai donné. J'ai dit, maintenant, tu dois appliquer. Elle m'a appelé l'autre jour. Elle a laissé un audio. Ceux qui sont dans le groupe de diffuseurs ont compris. On écoutait l'audio. Elle dit, papa, elle est même en déplacement. Je crois qu'elle est en Suisse. Si elle n'est pas en Suisse, elle doit être au Portugal. Elle est partie en France quand c'est les vacances. Il faut promener les enfants un peu, un peu. Elle est partie là-bas en France. C'est là qu'elle a eu la nationalité. Et ses quatre enfants. Je lui ai dit quoi? Elle dit, papa, j'étais le jour. Elle pleure. J'ai dit, on a envoyé un message, mais madame, votre demande tout propre. C'est important. Elle a une nationalité. Ça veut dire que c'est les avantages des rois. Ce qui est bon. Parce que avec ça, elle va gagner le jeu. Elle va envoyer l'Afrique. Et l'Afrique va se développer. Que Dieu te laisse ma fille. Que Dieu se souvienne de toi. Continue. Ce n'est pas fini. Le combat, là, tu dois continuer. Ouais. Continue. Continue tes prières. C'est la clé. Voilà, c'est la clé. Maintenant, si tu veux les meilleurs, tout est dans ta main. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir prier à ta place. Tout est dans ta main. Là, les enfants, ils vont grandir tout doucement. Tu les apprends tout doucement. Tu dis, voici ta prière. Voici
les choses, hein. Il ne faut pas entrer dans la douche comme ça. Hein. Quand tes habits sont vieux, là, s'il y a un trou dans ton habit, même dans ton caleçon, ne porte plus. Hein. Papa Manu a dit, quand tu portes ça, ça voit la poisse. Hein. Parce qu'il y a des hommes et des femmes ici, caleçon est déjà déchiré partout. Comment on ne voit pas un porte? Mais tu portes ce livre déchiré là. Mais c'est la poisse. C'est, tu te crées les problèmes. Ah, tu te crées les ennuis. Bon, et nous, on a fait des cercles, la lumière, pas de lumière depuis quelques jours. Ou même, ça va continuer, je ne sais pas. J'ai même peur de climatiser parce qu'avec ces gens-là, on comprend plus. Bon, je m'y mets ici. Donc, ne laissez jamais un mauvais vent qui secoue le navire de votre existence vous faire croire que vous n'êtes pas connecté, n'est-ce pas, à votre Dieu, que vous n'êtes pas sur le chemin. Non. C'est pendant ce temps que vous aurez des épreuves. Pas les moindres. Persister. Parce que c'est une temps où le poulet, là, il se bat. Je vais dire le corps, quand on le gorge là, normalement il faut qu'il monte. Vous-même, si on vous le gorge là, vous n'allez pas mourir d'un coup. Hein? Vous allez vous battre. Après un moment, c'est pareil, c'est un combat. Quand tu donnes à ton ami, bam, un coup, il reçoit. Il doit montrer qu'il n'est plus là. Donc continue, ne lâche pas. Donc pendant ce temps, il faut aussi montrer qu'il existe. Des petits bobos, tu en auras, les maux de tête, des violents maux de tête. C'est en ce moment même que tout devient très dur. Non, ça devient dur parce que c'était parti sur des mauvaises bases. Il faut maintenant que ça démarre, voilà, selon la volonté et le plan, n'est-ce pas, de ton Dieu. Voilà. Ami Mien disait d'ailleurs, la vie est un défi. Vivez là, sentez la vie, aimez la vie, riez à la vie, pleurez. Jouer, gagner, faites tout ce que vous pouvez faire. Perdre la vie, mais n'oubliez jamais que vous devez toujours vous relever. Quand vous tombez, vous chutez, tu dois toujours... Mais tu dois chuter. C'est normal que tu chutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère. Vraiment, ceux qui vont manquer à ce direct, n'oubliez pas, après on va mettre notre eau dehors. L'eau qui fait des merveilles, des témoignages incroyables. Hey, je ne crois pas, mon Dieu, je ne crois pas. Des témoignages incroyables, je vous assure. Je dis incroyable. Bon, aujourd'hui, qu'il me soit permis, n'est-ce pas, de parler d'un grand mystère. Le mystère que je vais vous présenter aujourd'hui, beaucoup ont déjà vu ça. Regardez bien un peu. Hein. Voilà. Regardez. Voilà. On appelle son nom, en fait, beaucoup appellent, selon les peuples, il y en a qui appellent ça... les griffes de chat, il y en a qui appellent ça griffes de lion, griffes de tigre. On appelle ça aussi camp de sorcière parce que ça a des piquants. Ouais, ça a des piquants. Hein, ça a des piquants. Voilà, des piquants. Mais son nom scientifique, c'est Lomatinia annua. Le nom scientifique. Matinia annua. Voilà, voilà son vrai nom. Je vais vous donner en quelque sorte ses différentes vertus spirituelles. Voilà, la magie de ça. Voilà, vous voyez bien. Il faut que je m'approche. On appelle ça griffe de lion. Voilà. Beaucoup, ça, on appelle ça two finger. D'autres appellent ça piquant de sorcière. Nya, nya, nya. Ça a trop de noms, des petits noms qu'on donne. Voilà. Maintenant, quand on vous vend cela, si vous allez au marché, qu'on doit vous vendre cela, il faut que la personne mette ça au sol. Tu donnes l'argent, il met ça au sol. Maintenant, toi, tu vas prendre. Donc, je vais vous parler de cette vertu. Et voilà ça. Par la grâce de Dieu, nous avons eu ça en poudre. Écrasé pour écraser ça. Parce que ça a des piquants. Tu ne peux pas. C'est très, 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 très délicat. Donc, nous allons envoyer ça au courant de cette semaine en Guadeloupe. Pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez l'avoir. Mais c'est trop cher. Le sachet que vous voyez là, c'est 20 000 francs. Trop cher, et je vais vous donner ces différentes vertus. Voilà. On appelle ça les griffes de lion. Ami mien d'ici, d'ailleurs, c'est Dieu qui a créé. C'est la divine nature. Ce que je parle, c'est la divine nature. Il n'y a pas un laboratoire au monde qui crée ça. C'est une plante. Voilà ce que ça donne. Tu portes ça sur toi. Je vais vous dire un peu ce que ça fait. Contre les maris et femmes de nuit. Pour lutter contre les maris et femmes de nuit. Si vous devez prendre ça et rendre ça en poudre, et la poudre obtenue, vous mélangez ça avec l'huile de raisin. Donc voici la poudre de ça.
Vous mélangez ça, une petite quantité, hein, vous voulez tout, puisque vous voulez traiter l'histoire de mari de nuit et femme de nuit. Voilà, ça vous dérange, ça vous perturbe. Tu prends ça avec l'huile de raisin, tu mélanges et tu prends une demi-cuillère à café, matin et soir, jusqu'à ce que tu sois convaincu que c'est fini. Affaire de mari de nuit, elle est finie. Affaire de mari de nuit, elle est finie sur toi. Parce que c'est quelque chose de trop mauvais, quoi. De dormir, tu as des jouissances nocturnes. Tu te réveilles le matin, tu as comme impression. Hein, tu n'as pas l'impression, tu constates que tu as. Tu as vu, tu as des jouissances. Tout ton. En bas, elle est mouillée. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Vraiment. Pourquoi? Parce que dans le monde invisible, il y a un démon qui vient. Vous voyez, donc c'est tout ça. Pour des femmes qui ont connu ça dans leur jeunesse. Donc après tout ça là, tout ce cumul des mauvaises énergies, la mauvaise eau qu'on envoie sur toi, hein, le démon vient, il fait tout, il fait tout. Il met l'eau là dans ton ventre, ça devient des fibromes bizarres. Vous voyez les femmes, le ventre comme ça, c'est pas qu'elle a accouché, ouais, ou elle est enceinte, c'est là. Mais l'eau magnétisée lunaire aussi peut vous aider à évacuer. Mais sinon, son médicament là, pour arrêter mari de nuit, c'est ça. Ce n'est pas que ça. Ça! Pour la protection de votre maison, lieu d'habitat, lieu de commerce, vous pouvez également approcher ça discrètement dans un coin, dans un angle de votre maison, dans un angle de votre chambre. Barricadez vos portes. Vous mettez ça sur les quatre points cardinaux, c'est-à-dire à l'est de votre chambre, vous mettez un, vous approchez discrètement un. Tous les palais, j'ai dit tous les palais, vous voyez les tableaux que vous voyez dans les palais, j'ai dit tous les palais. Partout, il y a un roi, il y a un président, il y a un prince. Tout ce qui l'entoure, là, il y a, il est barricadé. Tu ne peux pas. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Là où il y a un prince, un roi, un ceci, une majesté, non, il ne doit pas n'importe comment. Là où il doit, c'est un sanctuaire. On a tout, on a barricadé. Pour ne pas que la nuit se lève. Et on prend son énergie pour jouer avec. Non, 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 c'est plus possible. Donc, moi, je souhaite que vous soyez comme cela. Voilà. Dans les quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, vous accrochez un. Ça veut dire que vous avez barricadé les quatre points. S'il vient par l'est, il y a un obstacle. S'il vient à l'ouest, il y a un obstacle. Au nord, il y a un obstacle. Et vous dormez tranquillement. C'est quand vous laissez vos maisons, au lieu de parfumer, de brûler les encens, c'est pas ça qui vous intéresse, c'est les parfums chers. Hein, l'huile Saint-Laurent, les déodorants bien là, c'est ça, vous parfumez la maison avec. Non, on n'est plus à ce stade. Même le maïs, vous voyez au village là, quand on finit de prendre le maïs en main là, les feuilles de maïs là, tout ça là, les barbes de maïs, on brûle. Vous croyez que la maman était folle? C'est les encens. Tout dans la divine nature a un rôle spirituelle. Elle brûle, elle est là, elle brûle, ça prend toute la maison, tout et tout. Vous croyez que la maman est folle? Non! Avez bien dit c'est d'ailleurs. Donc vous mettez ça propre, propre, même au niveau de la porte d'entrée principale, soit de votre chambre, vous accrochez propre, discrètement. Vous dormez bien. Ah! Ça là aussi, ça permet à la femme d'accoucher facilement. En poudre, voici la poudre. C'est ça qu'on a obtenu. Vous pouvez imaginer combien de graines de ça il faut pour obtenir ça. Maintenant, où écraser? Parce que ça a des épines, ça, on appelle griffes. Ça a des griffes. Ça a des griffes. Donc, il faut écraser ça. Très bonne quantité. Le kilo de ça fait 52 000. Surtout qu'actuellement, là où ça vient beaucoup, là, le pays est en crise. Voilà. Donc, les choses de 1 000 francs deviennent 10 000. On ne trouve même pas. C'est trop rare. Et il y a encore le confinement. L'anis étoilé même est fini sur le marché. Les derniers kilos que j'ai eu là, j'ai tout. Tout est fini. On ne trouve pas. Parce que ça ne vient pas d'ici. Les Camerounais ne peuvent pas investir dans ça. Les Africains ne peuvent pas investir dans ça. Quand un Camerounais a l'argent, un Africain a l'argent, 2 millions, 3 millions, il veut faire commerce. Je m'en vais à Dubaï. Je m'en vais en Chine. Tu vas acheter quoi? Les habits, quel habit? Tricot, là, on vend sur le marché 100 francs. Il n'y a même pas de preneur. Donc, il faut, en temps de crise, il faut savoir qu'est-ce qui doit marcher.
Tu as 3 millions, il faut payer billet d'avion. Là où tu dois aller, il faut que tu prennes un hôtel. Il faut que tu manges. Il faut que tu couvres la marchandise. Il faut que tu rentres avec. Payer les impôts. Maintenant, ouvrir la boutique. Il faut que tu mettes l'eau, l'électricité. La boutique doit faire la publicité. Tout ça dans 3 millions. Alors que 3 millions, tu vas au village. Tu couvres le compte. Quand tu vas au village, dans ton village, on va te donner terre, des hectares à 500 000. Tu vas trouver deux gars, même si tu leur donnes 2 000 par jour, ça fait 60 000. Il y a deux, ils prennent la niche, au bout de 6 mois, tu as ton résultat, gratuitement. Et toi-même, tu vas importer. Les Africains ne regardent pas ça. Nous avons des terres rares, c'est-à-dire tout ce qu'on envoie, que ce soit même en Mauritanie, que ce soit au Mali, que ce soit... La terre africaine est une bénédiction. Mais pas c'est d'abord là, c'est Dieu qui a commencé là. C'est nous, nous sommes le berceau de l'humanité. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a dit, je ne veux pas que tu manques. Le jardin d'Éden dont on vous parle, c'est en Afrique. Ah. Maintenant, toi là, tu souffres. Maintenant, tu as 3 millions, 4 millions, tu vas aller donner ça chez les Blancs. Tu as déjà vu ta terre, la terre natale. Va cultiver la terre. Même si tu ne peux pas là, va. La niche étoilée, tu mets ça là. La sauge, il y a les fenouilles. Tout ça, là, on doit importer en Inde. On doit importer en Chine. On doit importer un peu partout. En Amérique latine. Alors que nous avons les meilleures terres au monde. Mais l'Africain doit... Il faut une révolution mentale. Il faut une conscience collective. Que nous avons tout ici. Pourquoi nous laissons tout ici pour aller chercher ce que nous avons, ce qui peut nous rendre riche là? On prend 3 millions. Tu calcules bien d'avion pour Dubaï, je vais aller acheter un marchandis, 1 million, les tricots comme ça. Tu vois comme ça, tu restes comme ça dans ton bureau. Une jeune fille, Franck, elle a fait prospection, marketing. Hey, bonjour monsieur, excusez-moi du dérangement. Parfois dans les bars, maquis, elles sont là. Oui, vraiment, je viens de rentrer de Dubaï. C'est la bonne machine, venez prendre tout et tout. Mais ça, c'est quoi ça? Ça va aller où? Les habits sont là, la friperie est baissée comme ça. Là. Après, tu as dit que non. J'ai des blocages partout. Ce n'est pas blocage. Tu as fait des mauvais investissements. La terre ne manque jamais. Voilà, c'est un conseil de Manu de la vie. Vous voulez, faites. Vous voulez, ne faites pas. Moi, je parle pour moi. Donc, comme je disais tantôt, ça là, climatiseur là, on dirait que ça a un problème. Hein. Des coupures intempestives. Tu restes, ça coupe, coupe. Ça a même créé le moteur. Moi, voilà, je fais direct dans la transpiration. Alors que j'ai un climatiseur là, devant moi. Oh, ça pleure, oh, après ça lâche. Oh, ça lâche. Demain, je vais voir. Je vais appeler un frigorifier, il va venir là, ça. Un technicien va venir là. Donc, comme je disais tantôt, ça, la femme qui a une femme, elle est déjà à terme. Tu vas la coucher, il n'y a pas de problème. Ça là, il faut simplement prendre ça, tu vas boire. Quand tu bois ça en poudre là, tu mets dans le verre, tu fais boire ça à la femme enceinte. Parce qu'elle va aller accoucher là. Même les femmes là vont dire, hé, madame, vous avez mangé quoi? Mais il y a plusieurs choses. La divine nature, pour ça, pour femme qui accouche, qui doit aller accoucher, il y a aussi la plante qu'on appelle l'aloès vera. Tu as ça chez toi. Toute femme qui est enceinte doit avoir un pot de cette plante-là dans son domicile, là où elle est enceinte. Si c'est ta chambre, ça doit être dedans. Parce qu'il y a les femmes qui ont les fausses couches, 3, 4, 5 fausses couches. Pourquoi? À cause de quoi? Tu manges quoi? Il y a quoi? Tu as fait quoi au bon Dieu? Parce que l'enfant ne peut pas rester. Quand tu as ça propre, le jour de ton accouchement, ton mari coupe une petite branche de ça, il met ça dans ta paume de main, tu tiens ça. Quand tu dis, c'est dans ta main. Quand tu vas arriver à l'hôpital, tu vas faire, ça sort comme ça. Pas césarienne. Nos mamans nous accouchaient, ce n'était pas par césarienne. Jamais. C'est avec nos vies là, remplies de péchés là, de souffrances là, hein, de péchés. De mépris, d'irrespect là, que tout est devenu difficile pour nous. Ta grand-mère ne peut pas te dire, elles accouchaient même dans les plantations, et son cœur ne bat pas. Le saignement, il y a une plante qui est là, dès que blessure n'a qu'à être comment, le sang coule comment, on prend ça, on met la pépé, blessure, ça arrive comme ça, chup. On prend le nombril de l'enfant, on coupe, tu vas prendre le bébé, il y a un coup d'eau quelque part, la maman prend l'arbre, les feuilles de bananier entourées, et après elle fait sa plantation. Aujourd'hui, là, on a des médecines, on dit des plateaux modèles, c'est nous en souffle, les fausses couches. Mais à cause de quoi même? Parce qu'on fuit la divine nature. Dieu nous appelle, on fuit Dieu. Voilà Dieu, voici Dieu. Il n'y a aucun laboratoire au monde qui fabrique ça, cette poudre-ci. Ça vient de ça, 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 griffe de lion.
Ami Médicé d'ailleurs. C'est pas tout, hein. Lui là, ses vertus sont. Hey. Ça là, tu mélanges ayant obtenu en pot, tu mélanges ça avec l'huile d'olive. Que il y en a, ça se vend dans les magasins et tout. Avant de dormir, tu prends ça là, tu avales et tu prends l'huile, n'est-ce pas? Tu te protèges avec. Attaque mystique, vraiment, j'ai vu quelque chose aujourd'hui incroyable. Comment quelqu'un peut dormir, se réveiller, il y a des crasses, les étoiles sur son corps. Cela s'est passé quelque part à l'île. Ma fille m'a montré ça, j'ai dit, wonderful. Et tu dors, le matin tu arrives, le corps est gratifié. On a mis des trucs, on écrit, on met les poids, on met l'étoile, on met ceci sur ton corps. Même si c'est une allergie, ce n'est pas ça. Ma fille, cherche ça. Désormais, avec ça, là, il y en a hein, plusieurs recettes naturelles pour lutter contre ces conneries-là. Les attaques mystiques la nuit, là, c'est fini. C'est fini. Et ça vient de ta maison. Parce qu'un corps étranger ne peut pas te faire ça. Ah oui, même quand les sorciers ont dit avion de nuit, là. Mais sinon, l'avion de nuit peut atterrir n'importe où et faire n'importe quoi. Quand ils regardent, ils savent que vous avez un lien. Ah, Manu de la vie, ouais, comme on avait pu l'autre jour, on s'est salué, après j'ai fait ceci. Vous avez un lien. Mais toi, on ne dirait pas de lien avec quelqu'un. Donc, coupez tous ces liens-là. Purifiez-vous. Cherchez la divine nature. Lavez-vous. Prenez des bains spirituels. Allez prier. Allez dans les églises. Si on vous dit non, ne vous lavez pas, que le sang de Jésus a tout lavé. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Tu veux, ne prends pas. Je te dis, c'est faux. Mais la plus forte raison, c'est que c'est tout là-bas où les gens tombent beaucoup. C'est là-bas où il y a les chrétiens qui souffrent beaucoup, là, c'est là-bas. Les gens qui souffrent là, c'est là-bas. Oh non, ne faites pas ça, c'est pas bien, c'est pas biblique. David a dit quoi? Lave-moi avec l'hysope, je serai pur. Je crois que c'est Somme 51. Aujourd'hui, tu dis à un chrétien, lave-toi avec l'hysope. Non, c'était l'Ancien Testament. Et il ne savait pas de quoi on parle du Testament. Quand on va lui expliquer le Testament, que ça veut dire quoi? Il va commencer à gratter sa tête. Que non, ce sont les inventions humaines. David, tu étais noir. Il dit, lave-moi dans l'un de ces psaumes, dans les 150 psaumes. Je crois que c'est au psaume 51 ou 91, un truc comme ça. Lave-moi avec l'hysope, je serai pur. Aujourd'hui, l'hysope là existe. Les plantes n'ont jamais perdu leur pouvoir. Au sortir d'Éden, les plantes n'ont pas perdu leur pouvoir. C'est l'homme qui a perdu ses pouvoirs après avoir péché. On vous dit qu'il a mangé le fruit défendu. Quel fruit? Les fruits, on mange ça tous les jours. Le fruit défendu là en vous. Ce sont des allégories, ce sont des codes. On a écrit ça pour fermer, pour que vous ne compreniez pas. Et c'est ça qui fait que les gens sont au courant là, ils suivent aveuglément. Même l'adorable sauveur du monde Jésus dont on parle, il a dit ne me suis pas, suis toi-même. Que chacun porte sa croix. Et quand il dit que chacun porte sa croix, toi tu crois que lui là, il a porté sa croix là c'était pour toi. Travaille sur toi, tout en toi, tous les pouvoirs vous ont été donnés. Comme personne ne vous croit. Ami Miel disait d'ailleurs. Donc, comme je disais tantôt, ça a des. J'ai dit la divine nature. Et il y a au moins 5 millions de recettes. Ça là, mais on n'a même pas encore commencé. On ne commencera pas. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas Dieu. Qui a cette connaissance. Qui connaît tout. Il n'y a pas. Il n'y a que Dieu. Quand il a créé telle chose, il dit cette chose c'est pour telle. J'ai mis tout ça dedans. Et maintenant, il donne la révélation à ses enfants, à ses élus et ses prophètes. Soit même dans tous les cas, pas des songes. Tu rêves, tu fais un songe, Dieu t'a dit de faire telle chose, prends telle chose. Voilà le résultat. Face à telle maladie, prends telle chose, prends telle chose. C'est comme ça. Amis indiciés d'ailleurs. Donc, comme je disais tantôt, les attaques mystiques, tu ne dors pas, ça là aussi. Pour ceux qui veulent barricader leur nuit, pendant que vous dormez, les gens sont là, ils veulent donc. Tu prends ça, tu mets sous ton oreiller. Trop de viande dans la sauce. Trop de viande dans la sauce, de quatre par la sauce. Donc, si tu mets ça, et qu'il y a encore d'autres talismans, parce que les gens n'aiment pas le mot talisman, d'autres ingrédients, tel que je l'ai dit, contre les couches, tout ça là, c'est bon. Parce que le sorcier, lui aussi, il a plusieurs cartouches. Hein.
Quand il vient à gauche, tu le prends, il va chercher à droite. S'il veut se transformer en serpent que tu l'as maîtrisé, là, il va chercher à se transformer en souris. Et si tu n'as pas barricadé, comment faire pour que... Non, il va entrer. Donc, fermez. Pendant ce temps, clos de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Barricadez-vous. Amis miens d'ici d'ailleurs. Vous mettez ça sur votre oreiller. Ça joue rôle. Rôle. Les attaques mystiques la nuit, là, c'est fini. Le problème, c'est que les gens ne veulent plus. Les gens veulent la facilité. Nous, on souffre beaucoup là parce que ça a la facilité. Parce que quelqu'un préfère, tu vois, dire bon, ok, bon, voilà, tout ça là, c'est compliqué. Bon, voilà, quelqu'un est déjà mort pour moi. Mais moi, je vais me fatiguer encore pour moi. Donc, je laisse tout dans sa main. C'est bien, c'est bon. Laisse tout dans sa main, c'est bon. Mais fais tes choses, tu ne peux plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui me couvre. Son sang me couvre. Tout me couvre. Bon, il a pris tous mes péchés. Il a non, je ne peux plus. Tout est dans sa main. Ok. La vie est un choix. Fais ça, c'est bon. Mais n'oublie pas ce que aussi Dieu a créé. C'est ça Dieu a créé. Ce n'est pas Manu de la vie. C'est l'ignorance qui te laisse dans ta posture. Sors de ton ignorance. D'ici de voir de l'ignorance, tu vas voir clair. Tu vas comprendre que oui, affaire là est très compliquée. Donc, vaut mieux. Mais il y a des gens qui n'ont jamais prié. Hein? Qui n'ont jamais prié, à qui Dieu a écouté. Je vous assure. Église ne va pas. Il ne croit pas. Même affaire de Dieu, il ne croit pas. Chaque jour, Dieu le bénit. Pourquoi? À cause de ses actes. À cause de ce qu'il fait. Il peut pécher. Le prix du péché qu'il a fait, peut-être qu'il a insulté quelqu'un. Il a giflé quelqu'un. Injustement, tu as giflé quelqu'un. Bam! Mais on te dit maintenant le prix de ça, ça veut dire ça fait un mois de souffrance. Ou alors tu vas avoir un petit accident, tu vas t'écorcher. Comme le gars, il ne prie pas. Pour lui, il donne. Donc, il a fait ça, il a dit, il oublie. Il sait qu'il a péché. Bon, il s'en fout, il sait qu'il a giflé quelqu'un. Quand on dit il y a une action humanitaire, on doit faire un don aux orphelins. Il dit, ah ouais, je suis au courant. Mais Dieu, venez, vous êtes où? Bon, prenez 50 000 là. Hein? Je ne veux même pas, ne dites même pas mon nom. Voilà 50 000, donnez ces orphelins là. Il a dit, pourquoi il donne aux orphelins? Maintenant, les un mois de souffrance, les un mois, ou bien ces accidents là, Dieu annule. Parce que la vie, c'est une sorte de balance. Il y a ce qu'on appelle la loi. C'est une sorte de balance. La loi là, c'est ça. Balance. Tu as quoi? Tu as donné quoi? Tu attends quoi? Qui donne, reçoit? Je suis resté aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'appelle depuis. J'ai même eu à le rencontrer. Peut-être qu'il écoute le direct. C'est un monsieur qui m'a été recommandé par une soeur qui s'appelle Hortense et vit en France. Peut-être qu'elle m'écoute. Va voir monsieur Manu de la vie. Je ne suis rien. Va le voir. On s'est vu dans un carrefour. Il dit, veux voir mes bureaux. J'ai dit, mon frère, je veux bien. Mais pour me voir aussi là, c'est pas facile. Pas parce que je suis important, je suis un peu très occupé. Je suis directeur général de publication régionale. Dès dimanche, je vais commencer une émission à la radio, chaque dimanche 22h minuit, sur une radio 93.7 FM. La radio s'appelle Mirror. Il y a une page sur Facebook. Donc, toutes les émissions, tous ceux qui me suivent déjà ici et en direct un peu partout, vous aurez l'occasion de suivre l'émission en direct. Donc, il y a déjà ça, il y a des problèmes à gérer, il y a des scanners à faire, il y a ceci. Donc, c'est aussi ma vie. Je suis un homme. Ma vie est privée, tout ça à gérer. Donc, c'est sur vous. Mais aujourd'hui, il est venu contre toute attente. Il me dit, monsieur Manu de la vie, je suis dans vos bureaux. On n'a pas de lumière. Je lui dis, je ne suis pas là, je suis à la banque. Je suis en train de régler un problème à la banque. Vraiment, il dit, bon, j'ai votre don. Et comme là où je vis, en bas de l'immeuble où je suis, il y a un atelier de couture. J'ai dit, bon, laisse ce que tu es venu avec là. Passe-moi le couturier. Je prends donc le couturier en ligne. J'ai dit, ah ça, c'est un frère, je ne le connais même pas. Il vient, je ne sais même pas que c'est lui. Il est venu déposer son don. Alors, il faut enregistrer. C'est le premier qui a fait un don en nature. Je ne dis pas que les gens n'ont pas fait le don. C'est lui le premier qui est venu déposer quelque chose pour ses orphelins pour dimanche. Alors, la première fois on s'est rencontré, je lui ai parlé du scanner. Il dit, il n'a pas d'argent. J'ai dit, ok, Dieu pourvoira. Donc, toujours, il appelle. Je dis, je ne suis pas là. Vraiment, c'est compliqué. Les jours, je suis libre. Pour me voir, il faut venir avant 8 heures. Là, on peut se voir parce qu'il y a 5h30, 6h, je suis debout. Bon,
Il a déposé son don. Le couturier me dit, voilà, il a réceptionné, il y a telle chose dedans, à sa présence. C'est sur son téléphone que je communique avec le couturier. Voilà, il a laissé ceci, ceci, il y a une boîte de chocolat, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, quand je suis rentré de mes occupations, j'arrive, maintenant je vois toujours pas de lumière. On est dans l'obscurité. Donc, je vois, je dis, ah, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse les sources de cette et tout. Donc, j'ai pris le carton, j'ai laissé ça dans mon bureau. Bon, je reste, il n'y a pas de lumière, je cherche où je vais prendre la lumière, avoir la lumière. Et mon souci, c'est un lundi, j'ai direct. Donc, maintenant, il me rappelle, je suis dehors, parce qu'il n'y a pas de lumière, il ne peut pas rester dans la maison, je suis dehors en train de prendre de l'air. Il m'appelle, une fois de plus, Monsieur Manou de la vie. Je dis oui. Je dis oui, il y a quoi? Il dit non, c'est moi, j'ai laissé le don. Il dit ah, ok, c'est vous. Oui, je peux passer, je voudrais vous voir. Je dis ah, mon frère, je suis dans l'obscurité. Mais vous pouvez venir. Vous savez, qu'est-ce qui me motive à lui dire de venir? Le don qu'il vient de faire. Qui donne, reçoit. Je dis, qui donne, c'est une loi universelle. Avant que tu viennes au monde, cette loi existe. Qui donne, reçoit. Alors, il vient, je me trouve alors que c'est lui que j'avais rencontré il y a 2 ou 3 mois de cela. Donc, je dis, mon frère, je n'ai pas de lumière. Donc, on a utilisé la lampe de son portable. J'ouvre dans le bureau, il s'installe. Il me parle de sa vie. C'est un ancien Benguiche qui est venu vivre au Cameroun. Il croit son pays. Il est venu investir. Mais tous ses investissements sont dans l'eau. Il me parle au point où il manque 100 francs. Il me dit comment il a fait pour avoir ce don-là, pour avoir ces petits trucs qu'il a cités. Je regarde cela, Dieu me parle. Il me dit, souviens-toi de la loi. Je dis, Père, quelle loi? Pendant qu'il me parle, il sait plus que je ne suis plus avec lui. Hein. Dieu me dit, souviens-toi de la loi. Je dis, oui, quelle loi? Je me pose encore la question. Dieu me parle. Souviens-toi de la loi. Je dis, mais c'est quelle loi? Pendant ce temps cause, il ne sait pas que je ne suis plus avec lui. Ce qui donne, reçoit. Il doit recevoir. Il a parlé, 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 parlé. Il veut partir. J'ai dit, mon cœur me dit, reviens, monsieur. J'ai dit, prends la Nice étoilée. Je lui ai donné la Nice étoilée. Je lui ai dit, envoie-moi, je n'ai pas de lumière. Toi-même, tu vois, nous sommes dans le noir. Envoie-moi ton nom et ton prénom, ta date de naissance et ton adresse email. Avant samedi, je vais te contacter. Je te donnerai une des clés. Je ne suis pas Dieu. Mais si tu es venu à moi jusqu'à t'entêter, ça fait 2 mois, 3 mois. Tout ce que je vais te demander, c'est un franc symbolique. Parce que tu es venu dans la maison de Dieu, faire une part, pour dire à Dieu, Père, souviens-toi. Comme je me souviens de ces enfants, on a dit, je ne connais même pas ces orphelins-là. Comme on a dit, on va visiter les orphelins. Souviens-toi de moi, comme je me souviens de ces orphelins qui sont des cas désespérés, qui sont là, ils n'ont plus de soutien. Ils ne vivent que par ta grâce et par ta faveur. Ta vie va changer. Tu n'entreras point dans le mois d'août avec ce même problème. Le mois d'août ne finira point sans que tu ne dis enfin. Le monsieur est désespéré. Il veut même liquider tout ce bien parce qu'il est endetté jusqu'à ça. Jusqu'à tout ce qui lui reste, c'est le souffle de vie. Même sa femme est sur le point de partir. J'ai dit, dis à cette femme, si tu pars, ton histoire est l'histoire de Job. Si elle part, elle ne trouvera plus sur le chemin de sa vie un homme pour toi. Parce que c'est en ce moment que tu as besoin. Mon frère, ne vends aucun bien parce que tu as tous ces problèmes. Tous ces gens qui te doivent, qui te réclament l'argent, dis-leur que tu traverses des moments difficiles, que tu leur donnes 30 jours. Tu auras un début d'ouverture. C'est de ça qu'il s'agit. Ami mien d'ici d'ailleurs. J'étais très ému. Donc, je lui ai dit, comme tu as donné, tu vas recevoir. La liste que j'ai donnée là, c'est au moins pour 20 000. Je lui ai dit, voilà, dès ce soir, commence ton bain. Avant vendredi, parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Donc, il y a des choses qu'on fait en regardant la position de la lune. Donc, la lune aujourd'hui, c'est la nouvelle. C'est comme on dit un nouveau bébé. Donc, demain, la lune commence à monter jusqu'à sa plénitude le 5 août. Donc, ce qui fait que on peut se permettre certains rituels. Mon frère, tu es venu au bon moment. Le Dieu qui t'a envoyé de venir faire ce don le 20 de ce mois à la nouvelle lune, ça marque ta nouvelle naissance. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas, tu crois que c'est un prophète. Je ne suis pas prophète. Hein? Tu vas rendre témoin. Je parle en direct.
Comme je parle en direct là, c'est comme ça que tu vas faire ton témoignage en direct. Les gens vont suivre. Ce n'est pas une histoire de magie parce que Dieu en toi. Prends ton mal en patience, c'est pour quelques jours. Je t'ai donné rendez-vous vendredi, samedi. On a le truc dimanche. Dimanche à 17h, on va aller visiter ces orphelins. D'ici, je voudrais remercier toutes ces personnes de près ou de loin qui ont déjà donné leur don pour cette visite-là. Ceux qui sont dans la ville de Douala ou qui sont dans les environs de la ville de Douala, vous pouvez vous joindre à nous ce dimanche-là à 17h. C'est le jour où n'a pas été choisi au hasard. C'est une période où la lune est ascendante. Tout ce que vous allez donner ne retournera pas plus doux. Ce n'est pas une histoire de Manu de la vie. Ce n'est pas pour moi que vous le faites. Son don est là. Je ne prends pas le chocolat. Je ne mange pas tout ça là. C'est pour des enfants. Leurs besoins, j'ai déjà réquisitionné les cartons de poisson qu'on va leur donner. Ils vont bien manger du bon poisson. Comme moi aussi, vous mangez du bon poisson, ils vont le faire. Et quand ils vont le faire, ils vont dire, en souvenez et Dieu ouvrira vos portes. Ce n'est pas une histoire, c'est une loi. Et qui donne plus, recevra plus. C'est une loi. Bon, parlons maintenant toujours de notre... Ça là, ça se brûle comme encens. C'est l'un des encens aussi très très conseillé de purification sous forme d'encens. On peut manger, on peut boire, ça ne dérange pas. Ça là, tu peux brûler comme encens, déjà écrasé. Tu allumes ton encensoir et le support et tout le charbon dedans, tu mets, tchac, ça brûle et ça purifie ta maison. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi il est cher, parce que c'est trop puissant. Déjà en poudre, c'est puissant. 20 000, voilà comme vous le voyez là. C'est le feu qui est là. Alors, contre les forces de mal, ça joue aussi rôle. Vous devez prendre un grain, ça là. Un. Vous mettez dans votre poche de pantalon. Pour les noceurs qui marchent, tout dans votre petit sac que vous avez, les Louis Vuitton, les Yves Saint-Laurent, les Gucci, tout ça là. Africain, non, Africain, non, vous êtes fort. Tu prends ça, c'est quand même pour acheter ça. Tu tiens ça quand même. Tu vas aller dormir dans la chambre de Carabi. Non, les Africains, non. Dieu vous donne. Les Blancs vous moyennent, les Blancs vous connaissent. On dit mèche de 10. Voilà la mèche qui est en vogue maintenant, en mode 1 million 200 000. Maintenant, tu loues maison de 30 000. Non, Africain. Maintenant, sac, les sacs de Gucci, là, tu vois, quand ils font les selfies, là, tu vois, sac, à l'Afrique, petit sac, là, on dit c'est 750 000, c'est ça, tiens. C'est tout son palmarès qui est là. Tu vois, son petit ganga, là. Il n'y a rien devant de là. Dans ça, là, il n'y a rien. C'est les manicures, les pédicures, les crèmes, les décrèmes, les bijoux. Femme, non, j'aime beaucoup vos affaires, quoi. J'aime trop vos affaires. Ouais, climatiseur, là, je fais direct dans la chaleur. Vraiment, souffrant de ça, là, tu as l'argent, tu souffres. Vraiment, parce que c'est pour ça que j'aime certains pays. Vraiment, ça, c'est mon pays, c'est vrai. Mais vraiment, tu peux pas voir l'argent, tu souffres dans un pays. C'est pas normal. Mais où est la différence entre toi et le pauvre? Tu as l'argent, tu souffres. Moi, là, dans la chaleur. Coupure de lumière, tempestée, on ne te prévient même pas qu'on va couper la lumière pour que tu prennes des dispositions à éteindre des appareils. Papa, on coupe, après on envoie. C'est trop. Ouais, nous avons fait quoi, bon Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Que Dieu vous bénisse. Il y a un temps pour tout. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, au lieu de mettre vos sacs là, quand vous sortez, il y a des crèmes, des ceci. Les anciens caleçons, les nouveaux caleçons, tout, sac de femme, on n'ouvre pas, hein, les lames de rasoir. Prenez ça, hein, vous mettez dans votre sac. Ça va vous protéger, ça vaut tout ce que vous avez mis dedans. Ça, hein, dedans vous mettez. Tu ne peux pas, tu as une robe ou bien tu as un veste, tu mets un dedans. Si tu as même quatre, tu mets ça partout, c'est bon. Ami, le doux est dangereux. Ça là, vous voyez? Ça éloigne les ondes négatives. Les accidents, on a prévu quoi, tu n'es pas, tu es dedans, mais tu sors intact. Quand tu sors, tu fais ça. Hey, mais dis donc, j'ai risqué. J'ai risqué. Parce qu'il y a tous ces élémentaux, tous ces ingrédients créés par Dieu là, qui veillent sur toi. Tu ne connais pas comment Dieu a fabriqué ça. Ce qu'il a mis dedans. Maintenant, tu vois ça comme si il n'y a rien. Alors que c'est quelque chose de très puissant.
les ondes, les empoisonnements, tout ça, ça joue rôle. Amis bien tissés d'ailleurs. Alors, réduire ça en poudre. Vous pouvez prendre le beurre de karité. Ça se coupe, généralement, on coupe ça. Généralement, en Afrique de l'Ouest, il y en a tellement. Au Côte d'Ivoire, Mali, très bon de karité. Vous prenez ça, voilà. Vous mettez ça dans votre. Vous pouvez prendre ça comme votre lait de toilette. Voilà, lait de toilette. Donc, chaque fois que. Surtout pour les hommes d'affaires, chaque fois que vous sortez. Vous avez un métier où vous êtes toujours en contact avec des gens, les mauvaises personnes vont vous fuir. Vous voyez souvent quelqu'un veut dire, ah, j'ai oublié mon clé. Il fuit parce que ce n'est pas lui. Tu ris seulement. Parce que tu es chargé. Et comme tu es chargé, ce que tu as mis sur toi, ce que tu as chargé là, n'aime pas les mauvaises personnes, les mauvaises énergies. Ça les fait fuir, surtout pour vous les femmes. Un homme veut te draguer, vous êtes ensemble, il ne parvient pas. Comprends que ce n'est pas une bonne personne. Une fois, deux fois, n'insiste pas sur la relation. Cherche à voir cet homme-là sous un angle spirituel. Qui est-il? C'est ça que vous refusez de regarder. Et maintenant, vous tombez dans des relations bizarres qui ont des fins vraiment dramatiques, des fins tristes. Parce que l'homme lui-même, il est chargé négativement. Tu n'as pas cherché à regarder ça. Tu as cherché, non, il a porté joli tricot. Tu n'as pas vu ses jolies lunettes. Tu as vu sa clé. Hein, il a bien vu lever. Il travaille ici. Il a jolie maison. C'est le vent. Cherche à connaître l'homme spirituellement. Cherche à connaître cette femme-là spirituellement. Est-ce que c'est une bonne femme? Quand je vais dormir avec elle, est-ce que femme-là, elle est bien? Ce qu'on dit, la femme porte chance, elle a une bonne aura. C'est tout ça. Moi, mes questions, quand je draguais les femmes, première question, madame, bonjour, ma soeur, bonjour. À quand remonte ton dernier bain de purification? Ah non, ça fait. Déjà, il y en a, tu lui demandes, hey, c'est quoi ça? Ah, j'ai déjà compris. Non, on ne peut pas faire chemin. Ça, c'est. On ne peut pas faire chemin. À quand remonte ton dernier bain de purification? À quand remonte le dernier bain de purification de ta maison, là où tu dors? Mais tu, monsieur, vous êtes. Quelles sont ces questions? Il dit, non, pardon, excusez-moi. C'est ça qui m'importe. Ce n'est pas combien de gars tu as, combien de ceci. Ça, la manière de me répondre là, ça va me donner la suite. Je ne vais plus te demander combien de temps d'abstinence. Parce qu'une femme qui cherche ses valeurs spirituelles, qui cherche, qui mène sa vie sur un fondement spirituel, il y a des choses qu'elle ne fait plus. Voilà, elle ne fait plus. C'est-à-dire automatiquement, sa vie devient fine. C'est-à-dire, quand tu l'invites même dans une boîte de nuit, dis non, je préfère qu'on boive, qu'on prenne un pot, peut-être chez toi ou chez moi. Je vide la masse. Parce que la masse, là, il y a tout le monde dedans. Parce qu'elle cherche Dieu. Donc, quand tu cherches Dieu, là, il y a des choses, les détails dans la vie, tu n'es plus dedans. Les hommes accouchés par-ci, par-là, quand tu as dit, non, range ta vie. Non, tu as Pierre le lundi, le jeudi c'est Jean-Paul, le week-end prochain ça sera Jean-Marc, l'autre week-end ça sera Jean-Baptiste, tout ça là, les gens, Jean. Tu te décris pour rien. En fin de compte, tu deviens une poubelle. Et c'est dans la poubelle qu'on jette les mauvaises choses. J'ai déjà parlé, j'ai fait un direct sur la femme pour dire qu'est-ce qu'elle a, qu'est la femme. Vous comprenez, ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, ça là aussi, vous pouvez mettre dans votre porte-monnaie. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes. Hein. Les commerçants, généralement, il y a ce qu'on appelle l'argent piégé. C'est-à-dire, vous avez fait votre recette, vous ouvrez votre commerce, la recette, déjà, vous êtes, il est 14 heures, vous êtes déjà à peut-être 60 000 francs ou 65 000 francs de recette. Quelqu'un vient avec un billet empoisonné, un billet piégé, il fait la recette, il vous fait tant le billet. Vous ouvrez votre tiroir, la quête, bam. Et ça fait quoi? Ça avale tout. Même si c'est des millions, ça avale tout. Tu commences à chercher. Quand c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, là, tu vas comprendre. Ah oui, on me piège. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui avale mon argent. Pourquoi? Parce que c'est un biais qu'on met qui avale d'autres biais. Ça là, le grand commerçant, c'est, il y en a plusieurs. Même la feuille de. C'est basilic ou persil? Voilà, basilic, je crois. Tu prends ça, tu mets dans ton tiroir ou à ta caisse là. Tu déposes ça là. Faux biais n'entre pas. Biais piégé là ne doit pas entrer. Ça anéantit tous les effets, n'est-ce pas, de l'argent qui a été piégé. Ami bien d'ici d'ailleurs. Et tout commerçant, normalement, doit l'avoir. Ah oui, doit l'avoir. Maintenant, si vous vivez en disant.
Vraiment, tout a été accompli. Ah, ce n'est plus l'affaire de Manu de la vie. Hein. Voilà, portez ça sur soi, c'est bien pour votre protection. Moi, j'ai ça sur moi. Hein. Ah oui, si la police me rafle un jour là, vraiment, les policiers là seront étonnés. C'était avant, aujourd'hui, bon, on respecte, il y a au moins le respect des droits de l'homme. Ils vont voir beaucoup de choses, le cyclone, et il y en a tellement. J'ai dit qu'il faut ajouter à ça beaucoup. Il y a moins 12. Ah oui, qui va se négliger? Vous croyez que vous pouvez faire des directs, faire tout ce qu'on fait là sans barricader, c'est quoi? Non, parce que non seulement même les témoignages, mais parfois des rêves bizarres qu'on écoute parfois, ce sont des énergies. Quelles sont négatives là? Je pue les encens tout le temps. Ah oui. Hein? Partout il y a les pleurs. Ça provoque des énergies négatives. Là où il y a la joie, ça provoque. Donc il y a des ingrédients, des choses que vous devrez mettre sur vous pour qu'il y ait la paix, le bonheur, l'harmonie chez vous. Alors, j'ai même oublié le sac là. Pourtant, j'ai acheté, ça plaît. Oui. Hein? Ami bien dit c'est d'ailleurs. Le prochain direct, c'est pour jeudi. Veuillez m'excuser une fois de plus pour ce retard, c'est dépendant de ma volonté. Le direct, voilà. J'ai même oublié que ça là même, ça aide, hein, ça donne beaucoup d'intelligence aux enfants, ça. Ah oui, incroyablement. Il y en a même qui mettent ça dans de l'eau, dans un verre. Ils ne boivent tout l'eau qu'ils vont boire là. Ça passe tout par là. Ils boivent, c'est ça, ils boivent. Ils donnent aux enfants. Ouais, ça booste leur intelligence. L'enfant devient trop intelligent en classe. L'école est vraiment intelligente. Donc, c'est tout pour ça. Pour ceux qui voudront, il y a une de nos soeurs qui, peut-être, qui sera en France dans les jours qui viennent. Ce n'est pas encore une certitude. Mais déjà, à Guadeloupe, nous allons envoyer peut-être une dizaine. Ça ne pèse pas trop. Nous paierons les frais. Plus tard, samedi, la sœur va les avoir et je vous donnerai plus tard le contact. Et comme bonne nouvelle, il y a la sauge blanche de Californie qui arrive dans ces jours-ci. Si vous avez ça et que votre vie ne donne pas, nous l'avons déjà, mais sous forme hachée. Voici ça, la sauge. C'est autant de choses que les Africains, les Camerounais peuvent cultiver. J'ai fouillé tout Douala. Une ville comme Douala, il n'y a pas une boutique ésotérique. C'est incroyable. Vous voyez qu'on a des problèmes. Une boutique ésotérique. Où quand tu arrives, il y a tout. Les encens, les bois de Saint-Anne, l'encens, sang de dragon, la sauge. Blanche de Californie, parce que ça vient comme, c'est pas, c'est genre, ça là, c'est vous voyez, c'est ça qui est haché, c'est les feuilles de ça qui ont été haché, avec les branches. Donc, ce que c'est comme les feuilles de tabac. Vous voyez, le tabac, quand on emballe le tabac là, voilà, dedans il y en a. Je dis, c'est incroyable, vous pouvez brûler. Je dis, quand tu allumes ça, je te jure, ça purifie la maison incroyablement. Je vais parler d'une peu. Maintenant que le climatiseur là. Voilà, je sens un courant d'air. Ouais, après combien d'heures? Dieu merci. À la fin du direct. Oui, ça donne maintenant. Oui. Ah, la fraîcheur. Mais ça là, je paye au village, c'est cadeau. Gratuit. La divine nature me donne ça cadeau. Au village. Tout l'ouest là, il fait frais. Les pulls. Maintenant, à Douala, je dois payer la maladie. Mais entre les deux, là, la bonne vie, c'est Clovo. C'est le village. Le village. Bon, on va faire comment? On va faire comment, Mimi a dit, d'ailleurs. Bon, je vais vous laisser. Vraiment, je n'ai pas le deuxième portable. Il y en a beaucoup qui ont promis de faire des témoignages. Non, c'est après, maintenant, le direct que je vais aller poser, mes bouteilles, hein. Je vais poser. Il y a une de mes soeurs, elle a eu un bocal qui fait 5 litres. Ouh! Désormais, elle dit que c'est elle qui va ravitailler toute la France et toute l'Europe. 5 litres. J'ai dit, ma soeur, j'aime ton affaire. Même c'est 20, mais c'est Dieu qui te donne. C'est cadeau.
Cadeau. Bon, on doit faire un direct jeudi. Peut-être 2 heures de direct, si possible, ou 1 heure ou 30 minutes, ça dépendra. Parce qu'il y a aussi chaque jour des nouvelles personnes, on est obligé. Normalement, aujourd'hui, je devais parler des mystères c'est-à-dire le métal, le bijou que vous devrez porter selon votre jour et mois de naissance. Tout vous influence, ami Mendicier d'ailleurs. Tout vous influence. Le vert dans mon bureau, ce n'est pas une couleur hasardeuse. Je n'ai pas mis le vert pour rien. Tout vous influence. Ne portez plus n'importe quoi. C'est l'ignorance. Il y en a qui enfilent leurs doigts, tu vois, ici, ils ont mis des bijoux fantaisistes là partout. Et c'est eux les premiers à pleurer. Non, ma vie ne donne pas. Vous voyez, le scanner répond à ça. Pour te dire que tu peux croire que c'est un sorcier au village qui t'a attaché, alors que ce sont tes propres doigts qui sont à l'origine, n'est-ce pas, de tes blocages. Parce que ce que tu ne touches pas ça bien. Parce que ce que tu ne fais pas ça bien. Parce que tu pries, tu ne pries pas bien. Parce que ce que tu ne manges pas bien. Ah oui, c'est tout un ensemble. Parce que même par rapport à... Mais je le dis toujours, même la nourriture. La nourriture. Le maïs n'est pas bien pour tout le monde. Et pourtant, c'est un bon aliment. Mais il n'est pas un nutriment, le maïs. Il y a certaines personnes qui ne doivent pas manger le maïs. Tout ce qui est maïs, tout ce qui est dérivé de maïs, popcorn, tout ce qu'on fait avec le maïs, couscous de maïs, qui ne doivent pas manger le maïs. Notamment les personnes du groupe Sangaro. Par contre, ceux des personnes du groupe Sangaro, vous voyez, c'est tout un ensemble. Vous pouvez dormir, vous avez des allergies, le corps qui enfle à tout, les douleurs, tout et tout. Et ça tombe un jour, peut-être, où tu dois commencer ton scanner. Hein? Maintenant, tu as dit non. Pourquoi tu vas faire un lien avec ça alors que la nourriture que tu as mangée, tu ne devrais pas. Après 21 heures, ne mange pas. Donc, c'est tout un ensemble. Dieu n'est pas dans le désordre. Hein? L'organisme, là, il a créé là, c'est comme un appareil. À chaque minute, à chaque heure, il faut faire ça. Tu ne fais pas ça, tu auras des résultats. Je me vante, je suis obligé de le dire, je me vante. Plus de 15 ans, ma maladie, c'est la fatigue. Et pourtant, je dors peu. Ma maladie, c'est la fatigue. Plus de 15 ans, quelqu'un, pour moi, pour fermer les hôpitaux. Si ce n'est que pour les maladies, j'ai pallu, j'ai maux de tête, j'ai la constipation. Non, 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 non. Même Covid qui est venu à moi, je suis tranquille. À 5h30, je prenais toujours, je bois toujours. Je bois toujours. Je bois toujours. J'ai des portions, des décoctions à base, n'est-ce pas, des plantes. Ma première, l'eau que j'entre dans ma bouche le matin, ce n'est pas l'eau du robinet. C'est des décoctions. Le persil, le mal, l'ail, mélangé avec le citron, le miel, je prends, je bois. Tranquille. 30, 40 minutes, maintenant, je prends de l'eau. Constipation, on ne connaît pas. Ce n'est que la fatigue. Parce que je cherche à manger selon mon groupe sanguin. On m'a invité samedi quelque part, on arrive, on a préparé tout, le poulet, les sauces tomates. Et j'ai dit, je ne mange pas. J'ai pris tout simplement les frites de plantain avec du piment. Parce que si on t'invite, tu manges pas. Tu as peur qu'on t'empoisonne, on va t'empoisonner. Donc pour leur faire plaisir, j'ai pris les frites. Alors qu'il y a le riz, le couscous, tout ça. Et l'heure même, j'ai regardé l'heure, ça ne me convient plus. C'est ça une bonne hygiène de vie. Si tu ne te donnes pas un mode de vie, je ne dois pas manger quelque chose pour après pleurer. Aïe, mon ventre, aïe, mon. C'est pour l'ignorance. Quand tu déchires le voile de l'ignorance sur la vérité alimentaire, tu ne peux plus. La nourriture ne te fait plus rien. Je ne bois pas. On peut fermer toutes les brasseries du monde. Je suis indifférent. Ça me laisse à cransette. Je bois du bon vin rouge. Et j'en ai bu tout depuis le début du mois de juin. Je ne bois que du bon vin. Je dis merci à toutes mes filles à travers le monde. À Nina, je vais les citer maintenant, je vais créer les jalouses. Non, excusez-moi. Elles se reconnaissent. Merci. Même ceux qui ont promis, merci. Je sais que vous êtes des dignes femmes, vous êtes des dignes fils, vous êtes des dignes frères. On est ensemble. Voilà, la vie, c'est ça. Hein. C'est pas d'à peu près. Si tu ne peux prendre pas au sérieux, la vie ne te prendra pas au sérieux. Il y en a qui mangent du porc, qui mangent des nourritures lourdes à minuit, 22 heures, après mettre la bière. Tu n'as pas longue vie, mon frère.
quand tu vas te lever le matin, les lourdeurs, tu as un rendez-vous à 8 heures, le corps pèse. Tu vas dire non, le sorcier t'a attaché la nuit. Non, c'est la nourriture. Maintenant, pour nous fatiguer, l'homme qui a l'argent n'est pas comme vous pensez. C'est en Afrique, quand tu as un bourreau, on dit il a l'argent. Hein. Mais ceux qui savent là, quand tu as. Quand, c'est la maladie. Tu n'as pas une bonne hygiène. Regarde les chefs d'État comme ils sont. Montre mon chef d'État qui est balèze, si ce n'est pas un rebelle. Parce que on, dans l'ombre de leur vie, ils ont des gens pour les nettoyer. Monsieur, vous ne devez pas. Le ventre doit être plat. Papa ne pense pas ça à l'heure-ci. À l'heure-ci, ce n'est pas ça. On lui impose. Parce que dans l'ombre de sa vie, il y a des gens pour lui dire, papa, voici ce qu'on mange. Monsieur le Président, à ce moment, c'est un thé que vous devez prendre. À 16 heures, c'est tel chose que vous devez prendre. Mais vous êtes dans tout. Bizarre, vous mangez. Les jambons, les saucissons, après vous mettez la bière dedans. Vous dansez, vous jugez. Vous jouissez, la vie est belle, hein? C'est la mort. C'est vrai qu'après tout ça, on dit non, moi je veux mourir d'une bonne manière. Je ne veux pas mort dont les origines seront d'ignorance. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Bon, amis miens d'ici d'ailleurs, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui en ont besoin, ça c'est le diamant. Le diamant. 20 000 francs. Le bois de santal même est fini sur le marché. vraiment la vie des hommes. Dieu, pitié de nous. Vraiment, je vais vous laisser. Voilà, ça c'est le fenouil. On a déjà parlé du fenouil. Voilà, c'est ça. Tout ça là, les Africains peuvent cultiver. Ça rapporte beaucoup d'argent. Vous voyez, un pays, il n'y a pas, voilà, ville, plus de 2 millions, 3 millions d'habitants. Il n'y a pas une boutique ésotérique. C'est à l'heure où tu trouves tous les encens. Il n'y a pas. Par contre, il y a des boutiques où tu trouves toutes sortes de vins et de champagne. Le Cameroun doit être, je crois, le troisième pays au monde ou en Afrique où on boit le champagne. Troisième dans le monde. Mais boutique ésotérique où on trouve des encens, les petites choses comme ça, tout et tout, où nous... Non, 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 on ne cherche pas Dieu. À qui la faute? Mais je parle, je fais des directs pour une minorité. Parce que la masse n'écoute pas ce qui les libère. La masse n'aime pas la vérité. C'est pour cela qu'on dit, quand vous voyez une porte qui est spacieuse, grande, des gens entrent, ça sort, ça entre. Mon frère, fais attention. Un restaurant où les gens s'alignent pour acheter à manger, fais attention, ne t'aligne pas. Manu de la vie te dit, ne t'aligne pas, ce n'est plus simple. Une boutique où pour acheter, on se tape, on se bagarre. Prenez un exemple. Si vous voulez payer vos factures, bon, pour ceux qui sont en Afrique, quand vous allez, quand vous voulez payer les factures, ou bien même faire une opération bancaire, dans des quartiers précaires, on fait rang. Il y a du monde. Mais dans, moi, par exemple, je vais prendre un exemple théâtre. J'avais un problème, un souci avec ma puce Orange, d'un opérateur téléphonie mobile. Je mets dans ma tête que, bon, ils ont une agence, une agence à quoi? À quoi? C'est un centre commercial. Tout le monde est là-bas. Parce que tout le monde, dès que tu as un problème, tu es dans un quartier précaire, c'est là-bas que tu dois aller pour débloquer ta puce, avoir une nouvelle puce, avoir tout ce que tu... Donc, j'ai dit, mais je dois gagner en temps. Et je veux le respect. Que quand j'arrive, on me respecte, on me reçoit bien. J'ai dit, OK. Ils ont d'autres agents dans un quartier qu'on appelle Bonaprijo. Bonaprijo, c'est l'un des quartiers chics de la ville de Douala. Vous comprenez, amis miens d'ici d'ailleurs. Je m'en vais là-bas. Il n'y a pas rang. Parce que là-bas, l'enfant d'un ministre peut venir pour son problème. Il n'y a que des vigiles. Tu entres. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée. Tu t'installes, climatisé, propre, propre. On vous propose même un thé. Vous avez besoin d'un thé, d'un carré, d'un café. Voilà. Je ne fais pas 3 minutes. Je suis mon problème résolu. Moi, je vais aller faire. Vous les voyez, ils sont en rang, rang. Mais ce n'est pas l'ignorance. Alors qu'il y a des mêmes agences un peu partout, à Bonanjo, dans d'autres. Mais lui, dans sa tête, il cherche la masse. Au lieu de chercher là où, le coin où il y a des élus, où on sert des élus. Mais si tu veux être esclave, on va te rendre esclave. Et ta vie sera esclave. Donc, je m'en vais dans un coin, même pour faire des opérations bancaires. Je sais qu'il y a telle banque ici, c'est dans un quartier des pauvres. Ce n'est pas pour encourager ou bien pour me moquer des pauvres. Je veux juste simplement que les gens comprennent comment la vie fonctionne. Comment est la vie là. Voilà comment elle fonctionne. Donc je dis, ok, si je m'en vais là-bas là, même les opérations Western Union, les agents d'espionnage, non, il n'y a que du monde.
Je prends donc mon taxi, je m'en vais dans un quartier ou dans la ville administrative où il y a tout et tout. Là-bas, il n'y a pas du monde. Parce que le boss, quand il va venir, on va venir le servir. Le boss ne fait pas le rang. Donc quand j'arrive au service, je prends encore un taxi, je rentre. Qui a gagné? C'est moi. C'est tout. Donc la vie là, c'est comme ça. Tu vas faire un rang. Tu les vois, ils sont en rang. Il y en a dedans. Tu fais 3 heures avant qu'on te serve. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre que, mais est-ce que c'est la seule agence ici dans la vie de toi là? Non, il y a une autre agence là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je prends un taxi pour aller là-bas. Là-bas, il n'y a pas de rang. Parce que dans sa tête, c'est dit non, c'est le quartier des boss. Je ne peux pas aller. Mais toi-même, tu es boss. Et quand tu arrives, on ne va pas te demander tu vis dans quel quartier. Quand tu arrives, il y a une réceptionniste. Oui, madame, quel est votre problème? On prend ton nom, ton numéro de téléphone. Voilà, on t'enregistre, on te remet un ticket. Dans les 20 minutes qui suivent au clos, après on prend le numéro 222. Tu te présentes, on t'occupe de toi, tu poses toutes les questions. Tu peux même demander, mais il n'y a pas un café, tout et tout. Maintenant, quand tu vas te prendre pour faire que. Mais tu vas rester dans ça 3 heures pour avoir une puce. Et voilà, les gens sont en rang. Non! Voilà comment la vie fonctionne. Tout vous appartient. Tout vous a été donné. Ce sont vos mauvais choix, vos mauvaises pensées, vos manières de faire qui font que la vie vous éloigne. Le bonheur te fuit. Quand tu es connecté à la vérité, il n'y a plus de problème. Tout marche. La jeune fille qui, avant de se dormir, prend maintenant son eau magnétisée, lave son visage avant de dormir. Son résultat est là. L'autre m'a demandé, papa, quand j'ai fini ça là, je ne peux plus mettre les crèmes. Crème, c'est quoi? Crème là, c'est quoi? Vous aimez toujours les choses artificielles qui vont vous créer les problèmes. Ça te servira à quoi, au juste? Oh là là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Après le direct, je m'en vais encore travailler. Bon, sur ce, on va se séparer. J'ai rattrapé tout le temps. Je devais même faire 30 minutes de direct. N'oubliez pas votre eau magnétisée. Donc, à l'instant, dès que je finis là, à 1 heure, vous pouvez enlever, ça ne dérange pas. 2 heures, 3 heures, 4 heures. À partir de 5 heures, souvent le soleil là, il y en a même chez vous, même à 20 heures, ils ont encore le soleil. Mais la lune est déjà là. C'est simplement que le soleil, tu vois, ça te fait peur. La lune est déjà là. Voilà. Donc, mettez votre bocal rempli d'eau, vous l'exposez, 3 heures, 4 heures, même si ça fait 5 heures, ça ne dérange pas. La seule condition, il ne faut pas que le soleil qui va se lever, le jour va se lever, le soleil qui vient ou que ça trouve votre bocal dedans, c'est annulé. Donc, tu vas attendre le mois prochain, ma soeur, mon frère, parce que c'est une eau précieuse. C'est une eau d'une qualité extrême, d'une qualité de pouvoir incroyable. Que Dieu vous bénisse sur ça. Que rien ne trouble votre peine. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Agis d'ici, Dieu le veut bien. Portez-vous bien et partagez si vous le pouvez. À mercredi, à jeudi, à la même heure, à 19h, si Dieu le veut bien. Merci. Oh là là, ah, c'était...